Avant que François arrive, on lui prépare quelques bêtes, on lui triche, on fait une présélection en fonction de la conformation, de l'état d'engraissement, de la texture et de la qualité de la viande. Parce que toutes les viandes ne vont pas dans chaque boucherie. Chacun a sa façon de travailler sa viande avec son caractère qu'il veut y mettre et puis c'est ce qu'il recherche. Une viande plus persillée, plus maigre. Il y en a qui ne peuvent pas travailler le gras. Il y en a qui préfèrent beaucoup plus gras, beaucoup plus de goût. Alors que là, c'est vraiment mort, on a vraiment le choix, quoi. Vivant, on n'aura pas tous ces aspects-là, quoi. Et pour le boucher, c'est beaucoup plus technique. Ben Jérôme, je vais choisir mes génisses. Ouais. Hein, on va choisir dans l'aubrac. Donc je t'ai présélectionné ces quatre arrières-là. Tu me diras ce que tu en penses. Le grain est pas mal. La qualité est bien. Ouais, mais c'est une bête un petit peu claire à mon goût. Voilà. Un petit peu clair. Celle-là, le grain est beaucoup plus fin et beaucoup plus tendre. Ah oui, elle a une jolie couleur. Et là, elle va être extra tendre. Là. Très jolie. Donc voilà. Impeccable, allez. Bien persillée. Et puis on voit que c'est une génisse, hein, qui n'est pas trop âgée et qui est bien conformée. Là, il y a une jolie cuisse qui est un petit peu ronde, avec un joli creux dans le rump steak. Non, elle est très belle. Donc je vais la noter, je vais la prendre pour la boucherie Saint-Cyr.